الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من فق من سؤال تدابو نغميش الله سبحانه وتعالى جل جلاله. Premier point de nous laissons à aujourd'hui, c'est qu'un musulman, s'il y a encore là où la terre, ça veut dire qu'il n'est pas en bas la terre, il nous a fait une réflexion qui à aujourd'hui, c'est 12 rosaines finies pour local et 14 rosaines finies pour mon frère qui peut avoir des rosaines internationales. Alors, les demandes qui est un musulman, il fait une révision de sa 14 et de sa 12 jours qui traversait là, afin qu'il soit capable de guetter s'il trouvait les sur la bonne voie. Il a bonne voie, alors il demande à Allah dua, qui Allah renforce les plis et Allah tient les fermes jusqu'à ce que Ramadan termine. Et s'il trouve un manquement, il fait tauba, il demande dua avec Allah pour qu'il y ait un bon changement de ce plan, de plan d'action de Ramadan. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, dua, qu'Allah fait facile pour lui. Et imaginez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allahumma inni as'aluka fi'la al-khayrat wa tarka al-munkarat. Il peut demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, donne-moi tawfiq pour faire bonne action et pour quitter mauvaise action. Ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous imams. Et tout bon imam qui est là, besoin de montrer du monde suivre ça, imam. Là. Ça, c'est un point qui, tout musulman, tout bon alim, tout bon prêcheur, tout bon madhab, l'université islamique, besoin comprend qui nous travaille, c'est montrer nos bons élèves, suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quatre madhab, il amène sa rôle là, dans le passé. Ben grand ulama tout le temps, il amène sa rôle là. Ben sahaba, radiallahu anhu ajma'in, avant quatre madhab, il amène sa rôle là. Qui rôle, c'est pour montrer ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un seul chemin qui amène vers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le chemin de Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans l'introduction de nous laissons kabaïr, qui point qui, quand un musulman peut écouter moi, un musulman, même si un non-musulman peut écouter moi, qui est quelque chose qui est important pour comprendre dans le mot kabaïr. Quand nous peut dire kabaïr, ça veut dire, peut montrer qu'il y en a le contraire, sagaïr. Ça veut dire qu'il y en a deux types de péchés. Il y en a deux types de péchés. Un péché qui appelle les grands péchés, un péché qui appelle les petits péchés. Quand nous regardons hadith, par exemple, Rasoul Sallam dit as-salatu ila as-salat, ou l'umratu ila l'umra, ou ça, as-salatu ila as-salat, ou bien as-salawatu l'khams plutôt, as-salawatu l'khams, ou ramadan ila ramadan, ou umra ila umra, ou l'jum'atu ila l'jum'a, kafaratu lima baynahuma idha jtunibati l'kabair. Ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, que si, 25 fois salat, numéro 2, ramzan jusqu'à l'autre ramzan, troisième, troisième point, c'est entre Umrah avec Umrah et entre Jum'ah avec Jum'ah. Quand il dit, il peut faire Jum'ah, ça c'est maintenant, après il fait Jum'ah, semaine prochaine. Il fait un Umrah aujourd'hui, après 10 ans, il fait un Umrah. Entre ça, Allah pardonne tout ben petit péché. Si ça dit, là, il fait des efforts pour rester avec grand péché, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout ce petit péché. Alors, nous ne comprenons pas ça. Il y a deux types de péchés. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surah 4, verset 31, il dit « In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima »
Allah subhanahu wa ta'ala dit in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, si vous restez loin avec un grand péché qui Allah donne l'ordre pour rester loin, nukaffir ankum sayyi'atikum, de tafsir dit nukaffir ankum sayyi'atikum, veut dire Allah pardonne un petit péché. Ça veut dire un grand péché, petit péché. Aussi dans sourate 53:30, Allah subhanahu wa ta'ala illa alladhina الَّذِينَ اجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ, ben qui reste loin avec grand péché, et ben فواحش, ben mauvais langage, ben mauvais caractère, ben péché zina, ben péché sexuel, les reste loin avec ça, إِلَّا اللَّمَمَ, excepté ben petit péché. Ça veut dire nous comprenons qu'il y a un grand péché avec petit péché. Nous d'accord qu'il y a deux types de péché. Qui fait appel les péchés? Qui fait à qui zina pati halal, ça veut dire ça veut dire, ça, madame-là, comme certains musulmans peuvent faire de nos jours, et dans les autres religions aussi, ma famille fait, je te fais échange, inter-échangiste. Ça veut dire, ça n'apprend sur madame, il vient promener avec l'autre là sur madame, je t'allais d'une place, là, je te change, madame. Haram. Qui fait les haram? Qui s'en a qui décidé qu'il est haram? Qui fait qui, je dis hasard, haram? Qui fait qui, la magie, haram. Qui fait qui accuse une madame pieuse qui lui peut trahir son michier, faussement, on peut dire, fausse. Qui fait qui les haram. Qui fait? Qui fait mal agir envers parents haram. Qui s'en a qui décidé les haram? Si nous comprenons ça, beaucoup de choses capables, me penser que si nous comprenons ça, les capables viennent un moyen qui Allah aide nous pour nous sortir d'un haram. Clair? Qui était ça? Comment nous pouvons connaître? Qui fait appel les haram? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, c'est lui qui vient créer nous. Il nous donne une constitution humaine, une nature humaine, et un caractère qui est visible et invisible. Par exemple, l'hygiène, la main, les pieds. Après, il y a un sentiment, il y a un nafs, il y a un ruh, il y a un qalb, il y a un l'équerre. Ça, c'est une petite chose. Le pouvoir d'écoute, le pouvoir de voir la vue, le pouvoir de parler. Allah dit dans le Coran, par exemple, « Qul ara'aytu min akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. » Ben frère, écoute ça, il y a le Coran qui Allah, qui a été question ça, qui a été question qui Allah posée dans le Coran, Allah dit « Qul, Jésus. » « Ara'aytum, vous trouvez, est-ce qu'ils peuvent trouver si ?» أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. Allah pose une question. Il pose une question à l'humanité qui peut lire le Coran en entier. Et ben croyant qui n'a iman, et ben qui peine à iman, qui peine à la croyance, qui lui dit أرأيتم, est-ce qu'ils ont fini de trouver إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم. C'est arrivé, Allah prend votre pouvoir de guetter, pouvoir de tendre. Et les seuls autres l'écrire. Man ilahun ghayrullahi yatikum. Mais qui c'est qui pour retourner autres ça? Regardez. Alors, ça a un caractère qui est dans l'insan. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une législation. Douze and don'ts. Qui fait-moi dire douze and don'ts? Nous tous, partout quand nous allons, il y a douze and don'ts. L'Ossimé, il y a douze and don'ts. Dans le travail de l'hôpital, dans le travail comme professeur, dans le travail comme ingénieur, dans le travail comme caillasse, ce qui servit plastique dans le supermarché, nettoyeur, cleaner, laveur l'auto, mécanicien, partout, il y a 12 and don'ts. Mais qui est quelque chose qui fait nous, vin libéral quand il s'agit de 12 and don'ts décidés par créateur? Mais ça, question-là, pose ça, écrire ça, question-là, regardez. Qui est quelque chose qui fait nous, vin libéraliste? Ça veut dire moi qui décide qui m'a besoin de faire, quand il s'agit d'un douzaine d'ondes qui sont aussi côté créateur, subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala qui me crée ça insan là, et il me donne sur l'objectif, et lit tout seul dans position basée sur la complexité création humaine en tant qu'un manufacturing product, en tant qu'un produit, l'insan, en tant qu'un produit, une créature compliquée. Essayez d'imaginer un lérin, il y a à peu près 6 cm. Essayez d'imaginer quand, jusqu'à présent, qu'il faut plus tard maintenant pour essayer de faire un lérin, même grossière, pour remplacer un lérin, quand il est bâti, il y a une machine dialyse qui est à peu près plus courte qu'il peut trouver, et mettre quelque chose comme pareil. Ça, c'est nature insane.
Essaye imaginer. Essaye imaginer ce nafs rouh. Essaye imaginer ce l'intelligence, ce l'équerre, ce sentiment, ce l'émotion. Right là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala crée sa insana, il est tout seul dans la position. Et ce Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, écoute bien, nous avons un problème là, nous avons un problème dans nos communautés musulmanes à Maurice. Et dans le monde aussi, mais je trouve ça, l'hyper révolté dans Maurice, un dimanche, il prend un ayat Coran, il explique un ayat Coran là, il dissocie tout un hadith qui est attaché avec sa masla là. Qui peut arriver à sa communauté là? Est-ce que tout le monde peut vivre le Coran? Nous n'avons pas besoin de sunnah pour comprendre le Coran? Pas besoin? Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَنْزَلَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Nous finissons de descendre un dhikr, le rappel, l'auto à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ, afin qu'il te clarifie pour Manjimoun qui Allah révèle vers eux. Ça c'est duty, parmi les duties de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En passant, mon frère, mon soeur, je touche cher partout, hein? Cher, ça les sonna maximum si Manjimoun bénéficie ou gagne récompense. Un dimoun écoute les sonnats comme une chair, ou bien ça arrive comme ça, s'il met en pratique, jusqu'à qu'il après la mort, tout pour une récompense. Là, je peux expliquer, je peux raconter mon introduction, le kaba'il, c'est qui m'a dit, ça, insan, là, quand Allah crée lui, Allah donne un objectif, Allah connaît qui est bon pour lui, qui n'est pas bon pour lui. Allah connaît qui est bon, pas bon pour lui. Et Allah connaît, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam connaît, lui connaît qui haram, qui pas bon pour une sainte, et qui faraz, qui une sainte bien faire, ça fait là et que ça pas fait là, il est attaché avec réalisation de nous l'objectif. Tu comprends? Il y en a pour maintes fois nous expliquer, un djimoun, il y en a pour aller vers l'objectif, et il y en a 12 mandons pour faire aller arriver sur l'objectif. Ban 12 et ban 11, c'est-à-dire il y a une législation, il y a un chemin qui est tracé pour créateur, enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire nous alvier nous l'objectif. C'est même ça, législation, appelle ça sharia, appelle ça 12, appelle ça donte. Il y en a même 12 qui est obligé de faire, il y en a même 11 qui n'ont pas le droit de faire. Right là. C'est pour ça que je peux dire, il n'est pas possible qu'un djimoun, comme on peut dire, que le Coran il enseigne nous ban 12 et ban 11, et sunna il enseigne nous ban 12 et ban 11, et nous pas capable d'expliquer un ayat Coran, nous dissocier un ayat Coran avec sunna, ensuite nous dire, djimoun, mais le Coran peut dire ça. Mais quand le Coran peut dire ça, le Coran peut dire sunna aussi peut dire ça. Quand il explique, un masla, il dit que le Coran il dit ça, alors moi je peux dire ce que le Coran il dit. Mais ce qui est sunna il dit, il n'est pas attaché avec ce que le Coran il dit ça. Outitou le Coran, wa mithlahu. Je fais un Coran et je fais ce qui est pareil comme un Coran, c'est-à-dire sunna. Dans Surah Ahzab, wadhkurna ma yutla alaykum fi buyutikunna. Min ayat Allah wal hikma touban mufassirin. C'est moi qui ai dit, il pas ouvert un tafsir, il pas ouvert un tafsir. Il n'y a pas besoin de tafsir pour lui expliquer le Coran. Dans Maurice, nous avons une situation qui peut expliquer le Coran, il n'y a pas besoin de tafsir tellement qu'il est arabe. Et il n'y a pas qu'on arabe. Si il est qu'on arabe, quand il peut expliquer, même les gens connaissent qu'il y a un poète qui ont dit au Samola, dans l'environnement qui le Coran descend, Samola, qui est sur une implication, qui peut dire, par exemple, si nous disons Kailoula. Le mot Kailoula veut dire nous prend un repos après déjeuner. Right là. Mais nous obligez à guetter ban arabe qui mange un service à Mola quand Coran et hadith Coran peut descendre. Wa ma arsalna fi qaryatin wa ma ahlak dans sourate A'raf dans premier passage. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها وجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون قائلون كيف يجي زي بفي قيلولا كما نو كومبرون سامو قائلون لا نو با نيك دي قيلولا بي دي ان سومي سا بي دي ديزيان جمون بي الدومي ابي قيلولا كاتريان جمون بي الدومي ابي ديجين ابي سا قيلولا ديزيان جمون بي الدومي ابي ديجين ابي سا قيلولا نو نو بيزال غيتي قيلولا كما تي سيرفي كان سا ايت قران نين ديسان بو نو كومبرون اي نو بيزا تفسير اي تفسير فين ات انسيني با رسول صلى الله عليه وسلم ابان صحابه كتي بان مفسر با من صحابه عبد الله بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بان لافين ان منزل كما مقاتل مجاهد تو سلا بن سليمان تو سلا سي بان علماء تفسير كي فين اسبي قران كي زون ابران avec رسول الله صلى الله عليه وسلم ازو جيزو دان موريس ان ديون بران قران ني نيكسي فين مول يتراجي لي يدون فتوى تولولا كاتاستروف
Et dans sourate Araf, Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil ويأمرهم بالمعروف وينهان عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث." Un rasoul qui les fait, les fait quelque chose qui est bon halal pour eux, quelque chose qui n'est pas bon haram pour eux. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi son duties, c'est faire une halal et faire une haram sous l'inspiration divine Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Alors, quand Allah et son rasoul fait quelque chose haram, nous pouvons travailler le haram là, nous pouvons travailler quelque chose qui est faraz. Ça, quelque chose qui est haram là, qui fait les haram? Et je vous dis que ce n'est qui fait les haram. Allah a envie de montrer sa suprématie. Allah a envie de montrer sa domination de l'humanité. Il empêche de faire quelque chose qui est bon. Ou bien de conception de péché, c'est un dito pour ça, insan. Parce qu'il n'en est pas affecté Allah subhanahu wa ta'ala. Hacha lillah. Ma'ad Allah, qui quand nous désobéit Allah, ça affecte Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa réalité là, du tout d'un hadith Qudsi, dans Sahih Muslim, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit à qui Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa ma'asala dhalika fi mulki shay'a." Sa hadith là, il dit: si nous tous insans prenons depuis Adam alayhi salam jusqu'à Qiyama, et tous djinns prenons depuis Iblis jusqu'à dernier djinn qui peut exister jusqu'à Qiyama, nous tu vives comme un seul léquier de l'obéissance Allah, purement un léquier rempli avec ta croix, ça n'a pas augmenté en rien pour Allah. Et l'opposé, « Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum kala ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki shay'a. » Le contraire, nous tous vivons de la désobéissance as one body, as one heart, de désobéissance à Allah, pénale obéissance, dit tout l'eau, la terre, Allah, ça n'a pas sens non rien pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pas diminuer non rien de sa suprématie, de sa royalty, de sa loyalty, de sa propriété qui était, de ce pouvoir, de ce avamment, de sa grandeur, de sa jalal. Je me repose la question, qui fait qu'Allah a décidé et a 12 indontes, obligé 12 indontes? Nous ne pas exister sans douze avec une donte. Mais c'est moi le problème, c'est nous vivons libéralisme, c'est-à-dire moi, je fais ce qui m'envie quand il s'agit de 12 et donte qui finissent décidés par Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est moi, ça même du monde qui dit moi, je fais ce qui m'envie, moi, je m'habille comme m'envie, moi, madame fait ce qui m'envie, j'ai tout à faire, open un budget. Tout ça, mal propreté du pied de libéralisme qui peut rentrer dans l'équerre musulmane, dans le monde en entier et dans Maurice. Seulement quand il s'agit de travailler à l'hôpital, il n'est pas libéraliste là-bas. Il n'est pas dire, moi, je viens travailler à mon vie. Quand il travaille dans l'école, il n'est pas pour dire, moi, je viens travailler à mon vie. Quand il travaille dans n'importe qui côté, s'il travaille dans une compagnie très blanche, une compagnie qui a un système, une compagnie qui a une qualité, une compagnie qui est très grande en Maurice, là-bas, il peut aller, bons enfants, il peut obéir, et il connaît quand il n'est pas obéi, il a payé pour couper. Et il continue, il a payé pour couper, c'est ce qu'il a maintenant pour donner une petite notice, après ça, termination of contract. Ou sa dismissal. Là-bas, accepter. Qui fait quand il s'agit? Pourtant, tu as dit qu'il y a iman. Tu as dit qu'il y a iman, il y a frère, il y a soeur, tu as dit qu'il y a iman. Quand tu as iman, tu es sorti de 80% population de la terre qui paye un iman. C'est quand tu as iman, tu as besoin de réagir comme celui qui a iman quand nous tannes, ça va être péché là. Et alors, Allah, avec son ressource, il décide ça comme un péché. Et parmi les péchés, il y a un grand péché. Et parmi les grands péchés, il y a un plus grand péché devant un grand péché. M'aurait dire, il y en a péché divisé en deux, grand péché et petit péché. Ben grand péché, il y en a ben plus grand de ben grand péché. En plus, il y en a ben péché destructeur, que Moutiarit Lola, les sont passés, semaine passée, sept péchés destructeurs. Rasoul Sassem dit, Ijtenibou, As-Sab'a al-Mubiqat, hadith qui est dans Bukhari, presque dans tout mon livre hadith. Et dans ce hadith-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, espérer qu'il soit clair quand nous peut cause grand péché, nous peut cause destruction de soi-même. Et vu qu'il nous dans un bateau qui appelle Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand moi, me détruis à moi, me aussi fait l'effet de ce bateau qui appelle Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ce l'écho qui appelle Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, me font partie dans destruction, dans faiblesse, dans déshonneur de sa Ummat qui appelle Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que nos péchés, ce n'est pas un péché qui fait l'effet simplement de moi, mais aussi fait l'effet de Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'autre groupe du monde qui est, quand je peux trop du monde faire péché, je ne peux pas advise,
Je pas empêche je ne pas montrer autres qui quelque chose qui est obligatoire, qui quelque chose qui est haram. Quand je pas fait cette action là, quand Allah attrape, il attrape tout ensemble. Dans sourate Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa Allah tusiban alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul adhab." Alors Allah peut attraper, Allah peut attraper tout le monde ensemble si nous pas fait notre travail et nous demandons Allah doit qu'il protège tout le musulman qui nous reste loin avec un grand péché. Hadith, premier hadith le grand péché. Moi, je finis d'expliquer semaine passée qui veut dire grand péché, comment nous connaît appelé grand péché. Aujourd'hui, nous pourrons dans ce hadith, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. Éloignez, épargnez vous-même, restez loin avec le sept péché destructeur. Rasoul صلى الله عليه وسلم dit destructeur. Il détruit rien. C'est là qu'il détruit. C'est là qu'il détruit. Il détruit ça du monde là. Et il détruit sa famille. Et conséquemment, il aussi fait l'effet de la communauté, de l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, « Qalu ya Rasulallah » Quand il finit, il dit, « Restons avec ça, sept péchés destructeurs là. » Mais il dit, « Ya Rasulallah » Sahaba, je pose question. Sahaba, radiyallahu anhu, ajma'in, ajibin. Ajibin, c'est pas un élève drôle, c'est un croyant. Drôle, nous comprend. Quand on analyse, les sahabas, les réactions, les questions, face aux autres posent questions. Comment je... Essayez d'imaginer un coup, un sahaba, il commet zina, il vini en personne, il dit qu'il commet zina. À cette raison, on pose question. Mohsin veut dire, est-ce qu'il doit finir marié? Oui, finir marié. Lapidation. Et il vini, il dit pour lapide, lui, lapide-moi. Il vini pour dire lapide-moi. Qui a été iman ça? Qui qualité iman et l'autre vini, il gagne l'autre un coquin pour se poigner. Il vini tranquille, se poigner. Moi, je peux vous montrer autre qui, sahaba, c'est une créature adib. Et vraiment, qui Allah subhanahu wa ta'ala choisit les autres pour se devenir sahaba de meilleur rasoul, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé le salat et là, rasoulullahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Right? Mais la pose question, ya rasoulallah, wa ma hun, qui ça c'est là? Ni dire. Numéro 1. Ashirk billah. Fait ashirk avec Allah. Shirk dans toutes ses formes. Et là, il demande qu'il m'en frère, m'en soeur, nous comprenons les affaires. Dans tout le hadith, côté de kabaïr, grand péché, commence par shirk premier. Puis qui fait un peu dire à Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, reste-le avec shirk. Qui fait? Pourtant, nous n'y a qu'à l'imam. Qui fait un peu besoin d'un certain? Qui fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quelques jours avant l'équipe d'Ounia, plusieurs fois il répète La'natullahi ala al-Yahoud wa al-Nasara ittakhadu quboura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Qalat Aisha, yuhadhiru min. Il avait ce hadith là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant l'équipe d'Ounia y allait, papa, avant l'équipe d'Ounia y allait. Sayyidul Bashar, l'équipe d'Ounia y allait. Écoute souvent le dernier conseil. Malédiction, le Yahoud avec Nasara, parce qu'ils ont adopté tombe de ce prophète et ce ban pieux comme un lieu de culte. Mais ça dit, c'est un lieu de culte, fait ibadat. Et dua, c'est ibadat. C'est un dieu, dua, c'est ibadat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins d'yad, dua, c'est ibadat. Wa anna al masajid lillahi, fala tad'u ma'allahi ahada. Masajid pour Allah, la case Allah, fala tad'u ma'allah, pas faire dua avec, ensemble avec Allah. Et l'autre apporte Allah, avec Allah, dans ma sid. Quand j'ai un l'autre apporte Allah, là, qui dit ça? C'est une exception là. Il dit un l'autre apporte Allah. Et Allah, en tant que créateur, qui bat et nous, min khalq, il fait attention. Fait attention avec conception al-hulul ou al-ittihad. Qui veut dire conception hulul ou al-ittihad? C'est conception al-hajjaj, Mansour al-hajjaj, qui sa conception là? C'est qui Allah est dans nous. Alors, un djimoun, quand il fait ibadat, Allah overcome sa djimoun, vient Allah. L'élan même qui dit, an al-haq et khalifan tuili, mansour. Faire attention, Allah subhanahu wa ta'ala, aqida, ahlus sunna wal jama'a, muttafaq alay, parmi tout man madhab kena, dans aqida, Allah li ba'inun min khalki, Allah li dissocie avec sa création. Allah pas mélange avec sa création. Ça, c'est aqida, ahlus sunna wal jama'a. Et na ijma' lo sa maslala ki Allah subhanahu wa ta'ala li pa mélange avec sa création Allah li ba'inun min khalqi li dissocie avec sa man créature. Clair là?
Mais quand dans cet ayat Coran-là, et dans plusieurs ayat Coran, il dit « Wala tad'u ma'allahi ahada » ou « la min dounillahi ahada » pas faire doua avec un autre apport Allah, ou bien ensemble avec Allah, pas autre personne avec Allah. Quand dire personne avec Allah, là, qui était ça? Une exception là-dedans, là? Une exception Nuh alayhi salam là-dedans? Une exception Khidr alayhi salam? Une exception Uwais al-Qarni? Une exception Abdul Qadir Jilani là-dedans? Ou bien quand on peut dire Allah et un autre apport Allah, c'est tous les autres créatures, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit min dounillah apporte Allah, ça veut dire un lot apporte Allah. Quand il dit un lot apporte Allah, c'est tout créature parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, khaliq us samawati wal ard, Allah li khaliq. Ensuite, tous les autres, c'est créature, tout, sans exception créature. Et ruh aussi créature. Right? Et quand les créatures, ça veut dire qu'il n'y a pas Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est khaliq, et toute chose apporte Allah, c'est makhlouq. Quand le Coran peut dire, ou ça hadith peut dire, ashirku billah, faire shirk avec Allah, c'est pas associé, non yin avec Allah. Quand il dit non yin là, qui est arrivé, associé malaïka, associé Jibril, associé Rasul sallallahu alayhi wa sallam, non, non yin, c'est non yin. Min doun illah veut dire pas faire dua avec un autre, apporte Allah. Quand il dit apporte Allah, il y a Allah d'un côté, et l'autre côté, il y a tout créature. Pas un droit prendre rien, excepté si nous avons une exception, il y a excepté qui nous capable prendre, nous dit Al-Madad, il y a Abdul Qadir Jilani par exemple. Nous c'est cela avec Abdul Qadir Jilani, rahmatullah alayhi. Ou bien nous dit, ya Rasulallah, arrive-ni au prophète Allah, ni da barzakh, ni da in daraja ulia da barzakh, il y a un degré spécial qui a l'air gardé pour lui, entre dunya avec akhirat, qui a l'air gardé Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut faire salat, salatu salam peut être présenté devant lui. Et existe quand même qui est une riwayat que Allah subhanahu wa ta'ala lui retourne son ruh de ce écho pour lui répondre salam qui m'a dit mon fils. Ça m'a une riwayat là, sahiha, authentique. Mais qui fait que shirk tout ban hadith qui nous peut citer à partir d'aujourd'hui, quand nous peut citer ban hadith, tout ça ban hadith, c'est-à-dire. Premier qui se plus grand péché, shirk. Qui fait ça? Et qui fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avant l'équipe de l'Union, il allait dire malédiction l'oban prêtre, l'oban Yahoud et Nasara, qui fait ittakhadu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida wa yuhadhiru min. Et il peut avertir sa communauté. Qui fait besoin d'avertir sa communauté? Parce qu'il y a un autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la taqumu sa'a hatta yalhaqu qaba'ilu min ummati bil mushrikin wa hatta ya'budu al-asnam. Que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qiyamat pas pour venir aussi longtemps qu'il y a une partie de ce tribu, de ce communauté, pour aller joindre avec man polythéisme, man mushrik, et ce pour ador man idole, et en a même riwayat dire pour réador l'at manat uzaksana ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça traque là, lui montre nous qui fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'état qu'il peut quitter dunya, il peut aller, parmi man plus grand traque ici, qui ce communauté pas adopté ce qabar comme une place de ibadah. Comment les Yahoudis et les Nasara font. Il fait un dua, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Dans notre riwayat, Rasulullah dit un dua avec Allah. Pas l'ismu qabar vine un monument qui est adoré. Azouji Allah subhanahu wa ta'ala. Il répond à l'appel là et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qabar il protégé avec Manjimoun. Alors, dans tout hadith, quand nous causons kabair, tout un hadith qui peut venir, tout le temps il y a shirk. Qui veut parce qu'il nous besoin de mandoua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si les enfants Adam alayhi salam, ils font shirk. Allah envoie nous alayhi salam. Les petits enfants et les tribus qui sont autour de Kaaba, ils font shirk. Ils ont 260 idoles. Ensuite, Allah envoie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous ne pas plus mais nous besoin de mandoua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Ibrahim, tu demandais pour lui que tous ses enfants, wa jinoubni wa bani, anna abud al-aslam, zodin ou niyad al-tarawi, qui épanouit moi et mes enfants qui n'ont pas ado idoles. Et demande dua que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et que nos descendants qui jamais nous pas ado en lot apporte Allah subhanahu wa ta'ala nous pas demande dua avec un lot apporte Allah subhanahu wa ta'ala nous pas accepter pour qu'il y ait un système ou bien un quiquen prend place Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu c'est un capé sa shirk. Numéro 10, as-sihr, la magie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, deuxième péché destructeur, c'est la magie. Right? Alors, la magie, parce qu'il est attaché avec Iblis, avec Shaitan,
si manjimoun kon un tikit arabe, je suis capable de rôder le YouTube et na un magicien yéménite qui t'y fait taouba, il raconte comment vient un magicien professionnel, ça veut dire patenté. Quand on écoute ça, nous pouvons comprendre rahmat Allah le nous quand nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'in considère la magie, sihr, comme un péché destructeur. Parce qu'il détruit la personne qui n'apprend la magie et il détruit celui qui fait la magie. Et nous demande Allah subhanahu wa ta'ala protège tout le monde contre la magie. Et nous demande Allah qu'il casse la magie qui est en attaché. Imaginez qu'il de nos jours, ça qui est augmenté. Parce que dans la société, iman baissé, croyance baissée, connaissance baissée, la magie et que miracle augmenté. Right? Numéro 3. Nous pas un droit tuer un kiken excepté d'après Sharia. Right? Et là, c'est bien un système islamique, côté de la cour islamique qui a décidé quand il y a un droit tuer. C'est pas chacun parmi nous, nous quoi nous juge par nous-mêmes et nous venons la cour islamique par nous-mêmes. Et nous donnons la loi pour nous-mêmes, et quand nous n'avons pas même tout ayat Coran qui peut causer la loi, et tout man ahadith qui cause la loi, ce qu'on appelle ayat ou l'ahkam, avec ahadith ou l'ahkam. Et c'est ça, fawda, des autres qui nous peut trouver dans Ramadan, concernant connaissance, et nous prenons un ayat Coran, il peut expliquer un masla. Il n'y a pas qu'un hadith qui est attaché avec cet ayat Coran. Il n'y a pas connu. Mon écoute, Cheikh Imran Hussein explique. Quand Kassrosa, Maurice est bêté. Est-ce qu'il s'en même, ça dit qu'on peut considérer comme l'imam Alim qui est dans sa communauté là, un masla si facile, quand il peut expliquer tout le matin, mon soyama, il est l'aile. Il peut traduire ça en anglais, il peut dire l'aile, il peut dire la nuit, alors c'est la nuit là, là. C'est là qui décide quand il rentre ça. Moi, je vais dire quand il rentre ça. Moi, je vais expliquer ça, masla, je peux montrer aux autres qu'il y a un djimoun qui peut être vénéré. Un djimoun qui peut être vénéré, Imran Hussein. Ben, du monde capable, sans Coran, sans Sunna, sans tout quelque chose, à cause d'Imran Hussein, ce qu'il peut dire, de nos jours. Et ben, du monde qui, zot même, qui lève pavillon, qui quatre madhab, c'est moi quand il s'agit d'Imran Hussein, elle a peine à quatre madhab. Oui, quand nous disons Ibn Taymiyyah, il dit, ben là, qui Ibn Taymiyyah, plus connu qui quatre madhab, c'est moi quand Imran Hussein, il dit, elle a nous pas dit quatre madhab. Ça, c'est qualité qui musulmane. Puis vivre ce digne dans nos pays. Et ça a montré des autres qui sont au milieu de la connaissance. Et ça a montré aussi faiblesse de nos connaissances, moi, dire. Pour moi, et ben, qui peut montrer dans nos pays. Catastrophe, moi, je suis clair. Quand Imran Hussein dit quelque chose qui est 4 madhab, Imran Hussein il dit. Encore Ibn Taymiyyah qui est un imam, ben, ulama, beaucoup ulama, qui pas même d'accord avec Ibn Taymiyyah, fin tombe d'accord qui kouma Ibn Taymiyyah, et il y a beaucoup d'indiens qui quatre madhab aussi, les plus faux. Moi, mon papa dit ça, moi, mon papa dit ça l'opinion. Là. Moi, je peux dire qu'il y a beaucoup ça, moi, je peux dire qu'Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il y a un monstre de connaissance. Il y a un monstre, quand vous causez toute connaissance qui vous causez, monstre. Ça, ben, qui opposé avec lui aussi, dit ça. Il suffit qu'il y ait un élève comme Ibn Qayyim, et il suffit qu'il y ait un élève comme Al-Dhahabi. Il suffit. Quand nous disons Ibn Taymiyyah, il dit, ben là, il dit, non, mais Imam Ahmad, il dit, Imam Abu Hanifa, il dit, Imam Shafi, il dit, Imam Malik, très bien, correct, d'accord. Encore Imran Hussein dit, là, il ne nous pas dire Imam Abu Hanifa, Shafi, il dit, là, là, oh, là, là, nous prenons ça, nous faisons des autres de la société. Je trouvais. Je trouve ça des autres là. Alors, qui fait mon explique ça des autres là? Ben, dis-moi, qui fait mon explique ça là? Parce qu'il m'a dit, m'a expliqué, qu'il y a une qui a été Allah ila bil haqq. Pas chacun parmi nous, il fait un jugement de sur la tête, il trappe un jugement, il est tué. Est-ce qu'il y a une la cour chéri qui décide que c'est un qui besoin de tuer? À ce que quand il y a ça, la cour chéri, il y a un qui peut faire sa action. Là. Mais nous payons un chéri dans nos pays, nous. Et presque dans le monde, même bien, tigit, même, ben, pas qu'on aime, dans l'Arabie, il y a aussi constitution coranique. Quand vous payez une implémentation, vous payez sans. Je peux venir libéral là-bas. Alors, moi, je peux dire qu'il y a un Coran, peut dire parmi les plus grands péchés destructeurs, tout est nafs en djimoun. C'est là qui décide ça. Qui connaissance ou est-ce pour décider ça? Qui connaissance ses connaissances ou est-ce pour décider ça, pour dire ça? Le qui est basé pour dire ça? Alors, nous avons besoin de prendre précaution qui nous pas venir la cour par nous-mêmes, nous venons juge par nous-mêmes, nous donne fatwa par nous-mêmes, nous faire jugement par nous-mêmes et nous faire action par nous-mêmes. Après, quand Plito a une reverse action de la communauté musulmane, c'est là que c'est responsable. Alors, nous vous comprenons bien. Numéro 4, « Aklur riba
mange l'intérêt. Dans riba, il y a quatre péchés que Rasoul Sassam dit. C'est lui qui prend l'intérêt, c'est lui qui donne l'intérêt, c'est lui qui écrit contre l'intérêt, et c'est lui qui déboute témoin dans l'intérêt. C'est moi ce qui plie grave dans sa cas, tout grave, même la Rasoul Sassam dit, la net, akilu riba, mokilu riba, katibu, wa shahidei, ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui quatre personnes attachées avec péché de l'intérêt. Pareil comme pour l'alcool, il y a un manufacturer, c'est lui qui n'a mené, c'est lui qui n'a rangé, c'est lui qui n'a vendé, c'est lui qui n'a acheté, c'est lui qui n'a soyé, c'est lui qui n'a assise de la table aussi. Assise de la table. Parce qu'il y a un monde qui a iman, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un monde qui a iman, il y a un monde qui a iman, le jour dernier, il n'est pas assise de la table pour servir l'alcool. Right là. Ici, dans ce hadith-là, quand il dit « Akilu riba », c'est lui qui mange l'intérêt et peut montrer qu'il doit s'amener péché de l'intérêt-là, plus grand et plus grave, c'est celui qui prend l'intérêt et l'immense. Numéro 5. « Akilu mal el yatim », ça veut dire « Il y a des enfants orphelins, ils ont l'argent, le papa quitte l'argent pour eux. » Alors, il donne un proxy, nous causons le langage de nos jours, il donne un proxy pour lui taker l'argent, ça va dire « On a qu'il fait, il prend l'argent, il avale. » Numéro 6, c'est At-Tawalli Yom Azaf. Qui veut dire At-Tawalli Yom Azaf? Veut dire la guerre est finie déclarée. Nous, l'autre terrain, Maïdan, la guerre, ensuite nous quittons la guerre, nous sauver. Quand la guerre est finie déclarée et nous, l'autre terrain, nous considérons comme un plus grand péché destructeur parce qu'il se l'est fait, la communauté musulmane et l'Osaman guerrier, là, il est pour néfaste. Je pourrais marquer, Mada, Khotoura, c'est qui quantité les dangers, ça m'a péché qu'il mange là. Et numéro 7, c'est qadful mursinat al mu'minat al ghafilat qui fait une accusation, fausse accusation. L'on madame moye mursinat mu'minat yina iman ghafilat qui pas même connaît ce qui dit mon peut mettre ta souris. Pareil comme Aïcha radiallahu anha. Et ça, hadith là, peut montrer comment maintenant tu mets ta souris Aïcha. Aïcha pas connaît même qui se peut dire. Aïcha en mu'mina, umul mu'minin, Aïcha radiallahu anha. Il y a un mohsin, il est marié avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un ghafila, il n'est pas même connu ce qui m'a dit, qui ça l'attaque le fier. Alors, ça, c'est sept péchés destructeurs qui finissent mentionnés dans ce hadith-là. Nous sommes capables d'expliquer ça qu'un parmi eux dans beaucoup de leçons, mais moi, nous avons une idée. Nous prenons un deuxième hadith pour nous terminer nos leçons aujourd'hui, dans l'autre hadith qui trouve dans Bukhari. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, dit. سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله أو bien سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بان لن demande رسول صلى الله عليه وسلم وصار رسول صلى الله عليه وسلم فين être questionné get question comment vini get question vini parce que qui fait nous faire ça les sons get ban sahaba comment il pose sa question أي ذنب عند الله أكبر qui péché dans considération Allah plus grand. Un sahaba, je demande une question. Sahaba, il n'y a pas de question pour lui redonner si mes sorties. Il dit, man, un alim, comme on connaît, moi, je donne mon madame, divorce, trois coups, c'est moi, on connaît. Moi, je suis en colère, ça, là. En colère, d'un divorce, mais tu as du monde, rire, d'un divorce. Et il dit, il finit divorce, so, madame, il n'y a pas même qu'on ait au rang de l'homoyage, qui veut dire. Dans mon cas, qui moi, m'en occupé le divorce, jusqu'à l'air, 100% cas, qui moi, m'en occupé. 100% qui m'en occupé, 10 moun pas qu'on donne divorce. Et si, ben musulman, tu donnes divorce, d'après système Coran avec Sunna, pourcentage divorce, tu peux diminuer par 90%. M'aurait dit sa phrase. Ben, 10 moun, il finit marié. Il n'est pas même connu qui ayat Coran peut causer le mariage. Et qui Sunna peut causer le mariage. Numéro 1. Numéro 2. 80, dans 100% cas qui m'en occupé, m'en peut dire, le divorce, 10 moun qui donne divorce, il n'est pas connu comment donne divorce. Et si nous tu connais comment donne divorce et qui rahmat Allah mettait dans procédure de donne divorce, 90% de sa divorce là, tu peux diminuer, pas tu peux un divorce. Parce qu'il tellement procédure là, il y a rahmat, il y a l'ode Allah, il y a l'enseignement Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a pitié, il y a shafaqa, alors tu peux redresser la situation. Right? Alors, sahaba pose question. Ayyu dhanbin 'inda Allah akbar, hadith de Bukhari. Ya Rasulallah, qui péché considéré comme plus grand de considération Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam répond. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak.
qui te donne Allah ban égal quand l'île ne crée toi. Subhanaka ya Rabb. Sa réponse là, il y a tassé avec une réalité dans Surah Araf, verset 172, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Quelle est cette Coran là? Après cette Coran là, the verse of the covenant. Ayatul Mithaq. Appelle ça? Ayatul Mithaq. The covenant verse, the verse of the covenant, c'est ayat quand il montre contrat qui insan signe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah il finit créer insan, wa il akhada rabbuka min bani adam min dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim, il fait faire une testification, un witness contre eux-mêmes. Qu'est-ce que alastu bi rabbikum? Est-ce qu'il pas moi qui suis rab? Allah il pose tout ban ruh adam alayhi salam jusqu'à dernier ruh. Alastu bi rabbikum? Est-ce qu'il pas moi qui suis rab? Qalu bala shahidna, nous tous disons Adam alayhi salam India, Obama India, Saddam Hussein India, Gaddafi India, Pyongyang India, Poutine le calife, entre guillemets, Poutine calife van musulman, c'est-à-dire. Poutine India, Bush India, Zotou India. Prends depuis Adam jusqu'à vraiment Zotou India, Kalou Bala Shahidna, nous witness que Allah c'est toi nous robe. Et quand nous dit Allah nous robe, ça veut dire Allah nous khaliq, Allah nous malik. Allah nous razik, Allah nous muhyi, Allah nous mumit, Allah li mudabbir. Six qualités qui attachent avec le mot Rab. M'aurait dit, Khaliq, Razik, Malik, Muhyi, Mumit avec mudabbir. Rasoul Sassam qui dit ici, de sa réponse de sa sahaba, qui fait une pose question, qui pèse plus grand de considération Allah, Rasoul Sassam dit, Antaj'ala lillahi niddan, wa huwa khalaqak, qui te donne Allah man ego, man égal, quand Allah qui ne crée toi. Subhanaka ya Rab. Ensuite il dit, Thumma ay, sahaba continue pose la question, il pas arrêté. Ensuite Rasoul Sassam, qui le grand péché de considération Allah, Thumma an taqtula walada khashyata an yat'ama ma'ak, qui te tue tes enfants, quand ton père qui les chère se manger, ça veut dire, il prend manger ensemble avec toi, ça veut dire, il pour gagner se manger ensemble avec toi, tu veux gagner père, t'as choisi chère manger à toi, tu tues tes enfants pour ça. Tu es là à votre mort, fais attention. À votre mort, rentre là-dedans. Faire attention. Légalisez pas. Jahiliya, système ignorant, Jahiliya, Coran, il appelle le système de gouverner qui pas. Coran avec Sunnah qui sont au côté Allah, 12 et d'autres qui sont au côté Allah, appelle ça the ignorant rules. Afa hukm al jahiliyyah yabun sura ma'ida wa man ahsanu min Allah hukman liqawmi yuqinun. Bouban jibun kina yaqin lo Allah, c'est nous rab qui nous crée nous, c'est lui qui donne nous 12 avec d'autres. Right? Allo, te paye pour te chier, te risque avec tes enfants, te tue lui. Comment te tue ça? Non, t'as maintenant tu peux tuer les enfants, enterrer vivants, tout cas, tu es tué, tiens. De nos jours, à votre mort. Tranquille, les gars, le fait à votre mort, madame. Là, pas dire sur Michel. Vous allez dire sur Michel, tous les deux, dire pour dire personne. Allez nous dire, non, on va le faire ensemble. Oh bon? Malaïka, t'en oublié. Kiraman Katibin, t'en oublié. Yom ul qiyam, yom atu raduna, la taqfa minkum khafia zu qiyama. Bi ayyi dhambin qutilat. Allah be dire zu qiyama, sa mola pour demander, sa petit bébé mola qui ne tue pas à votre mort pour demander. Bi ayyi dhambin qutilat, qui péché mon frère pour te tuer, moi. Allô, un dimon dit tuer ses enfants. Ensuite, Rasoul Sassam, sahaba la continue pour sur Thumma, hey, qui plie grand péché en cours de considération Allah. Rasoul Sassam dit, Antezni bi halilati jarik, qui te fait zina avec madame ton voisin. Fait zina, déjà grand péché. Plus grand péché, c'est quand tu fais ali avec madame ton voisin. Et surtout, ça, madame la Mursina. Madame là, une madame qui déjà en mariage. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, l'india, troisième là-dedans, en tuzani bi halilati jarik, qui te fait zina avec madame ton voisin. Alors ça, c'est dans sa hadith, il y en a trois, et là-bas, nous fait sept, il fait dix, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit, cite ces trois-là ici, il lit ayat Coran qui est dans surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit, répond sa sahaba là, Allah descend ayat Quran qui est dans surah Al-Furqan pour confirmer la réponse de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui est dans surah Al-Furqan. Walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar,
بان كي بفه شرك avec Allah زو بدي من دعاء avec un autre about Allah ولا يقتلون النفس التي حرم الله الهم et زو بتوي النفس كي بان ان droit tuer ولا يزنون et زو بفه زنا nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu qu'il protège nous contre un grand péché parce qu'il barakat qui est là quand fait un effort pour rester avec grand péché Allah efface nos petits péchés automatiquement ayat Quran sur 4 verset 31 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما quand je pourrais selon avec un grand péché Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu li pou pardon je ban ti péché et ou li pou met dans jannat inshallah nous demandons avec Allah de nous tawfir pour nous apprendre tout man grand péché qui est là qui rasoul écrit Quran avec sunna in enseigné et nous connait nous fait cela liste nous met devant nous et nous demandons avec Allah qui dit éloigne nous avec ce man péché là capable venir du monde les pays n'a aucun grand péché capable venir il y en a quelques capable venir il y en a beaucoup alors nous travaille là pour nous rester avec ce man grand péché là et quand nous restons avec grand péché namaz efface nous petit péché umra efface nous petit péché jumma jusqu'à jumma efface nous petit péché faire wazou efface nous petit péché nous gagne beaucoup raham qui Allah fait alors nous quand nous restons avec man grand péché nous demandons avec Allah اللهم اجنبنا كبائر الذنوب وأعظمها يا رب العالمين والسبع الموبقات ويسر لنا يا ربنا الخيرات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كلا دنزو التوفيق بقود روزا بنفشي إفيا تراوي بخان لباسيانس جيبود بس كينا بادون كي بيجين عدا رسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي سلوي كي جيبود دان العنويت دو رمضان اللي فيه عبادات il fait djibouté, il fait qiyam, il fait namaz. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne son péché précédent. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah enlève les difficultés de mon frère en laine et dans Burma et partout dans le monde. Mais seulement, nous payons de sa situation-là. Nous les a fait mal parce qu'il nous a scellé les corps. Alors nous souffrir pour la souffrance de nos communautés et nous avons la joie quand nos communautés nous portent la victoire. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il enlève Bala qui vient descendre nos musulmans entier le monde. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher maximum man leçon. Jusqu'à demain, je vous finis gagner le YouTube, inshallah. Et faire des efforts, cher maximum, pour que man djoun bénéficie. Et aussi, Palestine, ce matin, sa frère Ahad, une femme amazine, nous a fait très très important. Man juif peut révolter. Man mounafekin peut faire fête. Man mounafekin peut faire fête. Man djoun de Palestine peut subir. Et ça peut continuer. Nous faisons du'a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous rapprochons avec Allah pour nous du'a gagner un peu poids. Il y a un poids divin d'arba, Rabbul Alamin, Jalla Jalaluhu. Nous faisons tawba, nous retournons vers Allah et nous demandons du'a en même temps. Et si nous sommes capables de supporter, comment nous sommes capables de supporter dans n'importe quelle façon que nous sommes capables. Et surtout dans nos du'a, les iftar, entre azan avec iqama, dans les lèvres que nous finissons, expliquer, du'a accepter. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il élève bala, le tout manu salman, wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته